Et eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du Borderlands The Pre-Sequel. Et qu'est-ce qu'il fout celui-là. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et donc allez les gars, c'est parti. Va falloir t'expliquer un peu ma grande. Formé dès l'enfance par Atlas au métier d'assassin, plus de 1000 meurtres à ton actif, t'as bien failli tuer mes deux meilleurs hommes avant qu'ils ne te capturent. On est ses meilleurs hommes. Ça me réchauffe le cœur. Oh. Alors voilà, Athéna. Je vais te poser une seule question. Et si je n'aime pas ta réponse, tu vas mourir. Quoi tu crées ? C'est ça, continue. Alors, on peut choisir. Non, allez, on va prendre Nisha. Allez. Salut, chasseur de l'Arche. Et merci d'avoir répondu à l'appel d'Hyperion. Malheureusement, la station spatiale Helios essuie présentement une attaque des forces militaires de Dal. Tiens, prends ce système. Donc on est dans une station spatiale. Maintenant, suis-moi. Je vais te mener jusqu'à ton contact. Ah oui, ouais, ça c'est... Ah oui, d'accord. Mais je te donne 10 sur 10 pour l'effort. Alors c'est normal si j'ai déjà quelques boosts, parce que j'ai testé le jeu et donc j'ai vu que grâce au fait que j'ai joué aux deux précédents jeux, eh bien j'ai obtenu, il me semble, 12 points de brutasse gratuits. C'est plutôt pas mal, ça rajoute des stats. En vrai là, ce qu'il y a de mieux, c'est surtout la capacité du bouclier. Je pense qu'on va avoir besoin de tanker. Ayant joué aux deux, la difficulté, je la sens venir. Allez, plus de shield. Donc ça, c'est les arbres de compétences. Plus de capacité bouclier, bah nickel. Dégâts des armes, dégâts coup critique. Je vais peut-être commencer par les dégâts des armes. Allez, c'est qui part. Bon, comme d'hab, on va loot un peu, histoire d'avoir des munes et de la thune. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Ouvre-toi. Pourquoi on entend tirer? On entend tirer. Je n'ai plus très loin. En avant. Oula. Que ce délire. Oh, il y a du monde. Bonjour. Ah, il fait... Ah non, non, en fait, ça va, ils font pas trop mal. Allez, on va jouer sniper, là. Ah, hop. Ouais. Appuyez sur G pour lancer une grenade. Merci, comme si je savais pas. On est bien d'accord que du coup, ils savent que j'ai joué au 1 et au 2. Mais ils me disent quand même que c'est G pour utiliser une grenade. C'est génial. Mais, montre-toi. Voilà. Ils nous prennent pour des débiles. Oui, c'est bon, je suis là. Hein, oh. Tout le monde croit que les robots ne ressentent pas la douleur, mais en réalité, on la ressent au ralenti de façon très intense. Ce robot était en pleine agonie au moment de sa mort. Hyperion, oula. À l'attaque. Le claptrap est mort. Mais maman, c'est génial. Oh là 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 là, je prends cher, vas-y, knock-moi. Moi, c'est Nisha. Et ensuite, je te tue. La banditeuse de bandit. J'ai hâte qu'on apprenne à mieux se connaître. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour prendre des dégâts de feu, mais voilà. À l'aide, au secours, je sais absolument pas d'où sortent ces soldats et pourquoi ils en veulent autant à la station, mais là je suis coincé. Oula, il y a plein de monde là. Oh là 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 là, mais ils sont combien? Oh, la droite qui s'est bouffée. Alors, je sais pas si c'est très utile de le tabasser comme ça. Votre attention, Hyperion. Oh, vas-y. Votre station spatiale Helios est désormais aux mains de la Légion oubliée. Bon, on va y Rendez-vous arriver. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Montre-toi. Voilà. Oula. Oh, il y en a encore qui atterrissent, là. Oh, je t'ai pas visé. Tiens, oh. Headshot, allez. Tiens. Oula, putain, je prends cher, là. C'est quoi ces dégâts? Mais c'est cool. Ça vient d'où? Ça vient de là-bas. Tiens. Pourquoi il faisait rien? C'est quoi c'est... Ah non, c'est bon, il fait quelque chose quand même là. Eh, hey, tu pourrais m'aider. Oui. Tiens, ça va aller. Braise, allez. Oh, mais vas-y. Allez. À moins que tu préfères... Trop bon sang. Tu m'as sauvé. Merci. Désolé, j'ai le cœur qui s'emballe, c'est la première fois qu'on me tire dessus. C'est marrant en fait. Écoute, ces salopards ont attaqué Helios juste après que je t'ai convoqué. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche sur la lune. Alors, attends, il y a une arche sur la lune. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Chaque niveau supérieur augmente votre santé maximale et les dégâts que vous infligez. Donc ça, c'est comme tous les autres jeux, mais en vrai, c'est très bien. En outre, lorsque vous montez de niveau, votre santé et votre bouclier sont remis au maximum de leur valeur. Ça, c'est toujours aussi bien. Et toujours aussi pété. Ces canards vont rien comprendre. Échec critique. Système de défense d'Helios brouillé. Ah, super. Quoi ?
origine du signal de brouillage. Oula. Oula la la la. Lune de Pandore. Oh merde, les tourelles. Neutralise les tourelles. Non mais c'est maintenant que ça me met la notification quoi. Merci. Oh. Allez. Allez, voilà, c'est mieux en mieux cette journée. Très bien, plan B, il faut évacuer. Les vaisseaux de secours sont par là. Très bien, allez. On doit à tout prix prendre le contrôle. Ah. Elle est à la tête des abrutis, je crois, je sais pas en fait. Mais le premier qui lui tire une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. Très bien, je suppose que c'est une proposition. Ok, je vais ouvrir cette porte. Les vaisseaux ne sont plus très loin. Oula, Oh, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? C'est leur colonel. Lance le plan, une bonne balle en pleine tronche. Bonjour, Jack. Attends, on va devoir le fight là. C'est un boss. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Petit coquin. Non, effectivement, on comprend rien. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il fout là, ce truc? Ok, léger malaise. Cours! Très bien, plus de mûnes. Il sortait d'où cet extraterrestre flippant? Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais... Cours! Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Désolé, chef. Je passe dans un tunnel. Connard. On discutera de tout ça bientôt, John. Oh, il y a un vaisseau qui arrive, là. Et pourquoi vous nous attaquez, bande de crétins? Je veux cette station. Meurs. Je veux sauver l'univers. Viens là, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais c'est quoi ce taré là? Il y a encore du monde là. Ah, ils sont là. Tiens. Non. Ah. Je suis nul. Ah. Tiens. Mais what? Attends, mais il m'a mis un cut en wifi là. On est bien d'accord. Ah. Tiens, meurs. Tiens. Mais qu'est-ce qu'ils font ces débiles? On n'a même pas de soldats ici, c'est des ouvriers qui le tuent, là. Et nous, si on s'affole pas un peu? Attends, c'est l'écho 2, ça, non? On peut le vendre? Très bien. Attends, l'inventaire, il fonctionne encore? Bah, je sais pas comment il fonctionne, ton inventaire, mec, mais nickel, quoi. Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Suis-moi. Ah, il y a encore du monde. Oh, il s'est baissé au moment où j'ai tiré, quoi. Viens là, toi. Oh, mais... Ah, y'a encore du monde! Eh ouais! Niveau de brutasse. Oh, nickel. Ah, c'est-à-dire que j'ai repris un niveau normal aussi. Attends, c'est quoi sa compétence? Vous permet de viser automatiquement les ennemis. Quoi? Non mais attends, on se transforme vraiment en tourelle automatique là? Orienter la souris dans une direction pour changer rapidement de cible. Oh, dégâts! Oh, allez, plus de dégâts. C'est le moment de vérité! Ah mais ah non mais c'est complètement abusé là. En plus ça vise la tête. Oh, en fait on a juste à tirer quoi, vraiment. Il y a le point de spawn. Attends, il y a un point de spawn. Je le sens mal ça. Pourquoi il attend? Oh vas-y. Bon bah allez, premier boss les gars. Soyez purifiés par les flammes. Tu ce type, j'imagine. Tu ce type. Bah ok. Allez. Oh, on peut tirer dans son... Attends. Ça fait mal. Soyez curieux, je suis touché. Mon sang. Mais c'est cool. Je suis touché. Prends des dégâts. Tu vas aller là. Brûler. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal le feu. Oh, il y a encore des mecs là. Bon bah, allez hop, toi tu meurs. Toi tu meurs. Ah mais ah d'accord, il est sorti de l'exosquelette. Hein? Meurs. Vous avez vu ça? Je suis pas très sûr. Meurs. Meurs. Ah mais ils sortent des conteneurs. Et qu'est-ce qu'ils foutent dans les conteneurs?
Qu'est-ce qu'il foutait dans les conteneurs, ses collègues? L'ascenseur est par là. Il y a un truc qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Entrer dans l'obus. Je le sens pas trop, ça. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, mais c'est genre un barillet, ça? D'accord. Libère l'ascenseur, que je puisse te rejoindre. Tu es le connard. D'accord. C'est vraiment la mission, ça. Je sais pas viser. Super, je vais fermer le conteneur. Range tes bras. Je te charge dans la chambre de livraison. Ça va être bien. Et aussi un peu génial. Tu veux dire que Jack, le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais? Tu parles, c'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Attends, mais pourquoi si Jack n'était pas resté je crois comprendre. On serait pas en train de revivre ce qui s'est passé, là? Jack qui se fait attaquer. Oh merde! Dès que tu vas ouvrir cette porte, tout l'oxygène va s'envoler et tu vas suffoquer. Ça va faire super mal et puis tes yeux vont faire plop comme des raisins quand la pression différentielle sera trop forte. Quand tu le sens, t'ouvres la porte et tu me suis jusqu'à ma bulle d'oxygène. Ça te va? Par ici! Allez, hop! Tout va bien? Un plaisir de te rencontrer. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? On doit retourner sur Helios, tout là-haut. Mais il y a un brouilleur quelque part sur cette lune. Faut qu'on le neutralise si on veut pouvoir rentrer un jour. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Rends-toi à ses coordonnées et nettoie l'endroit. Hop, un bon shield. C'est un dragon. Hop. Oh, j'avais oublié. Ah. C'est verrouillé. Plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. Et voilà. Alors. Un kit d'oxygène. Idéal pour la respiration, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis. Prendre les cocontes. Et bon, on va prendre les cocontes, hein. J'ai besoin que tu m'aides à fabriquer des affiches stimulantes. Ça se vend comme des petits pains au marché noir. Alors par contre, voilà les tutoriels, ça dégage. Ah attends, par contre j'ai des points de compétences là. Dégâts des armes et vitesse de déplacement. Allez, on va commencer par ça. Il faut juste que tu t'envoies en l'air en disant un truc stimulant. Toujours viser le crâne. Bang bang. C'est avec contrôle. Salut, ouais, cowboy. C'est avec contrôle, très bien. C'est là? Ouais, c'est là, ok. Pourquoi du sang comme ça? Je pue, c'est ça? Il vient de me commander des affiches stimulantes. J'ai des gros problèmes de motivation. C'est à l'autre bout de la carte. Alors, du coup, l'autre mission... Eh, à moi une... Allez, on monte. Oui. Et donc, faut que j'aille prendre ça. Un dragon appelé Lance-Flamme sortit un jour d'une fissure et mordit une charmante femme qui lui éclata la figure. On a trouvé le fils de Lance-Flamme. Tue-le. Très bien. On va un peu corser les choses. Là, tu meurs. Oh, délicieuse vengeance. Regarde, il a dû Je prends des dégâts. Je m'étais pas senti aussi bien depuis. Oh, j'ai plus de mun. Mais il fait quoi lui? Alors, celui-là s'appelle Les Aventures de Bébé Dragon. Bébé Dragon est sorti de la faille avec sa maman, Lance-Flamme. Ils ont vu de drôles de bestioles à deux pattes et les ont pris pour de la nourriture. Alors Bébé Dragon et sa maman ont attaqué le camp. Lance-Flamme a salement amoché une bête à deux pattes et Bébé Dragon en a tué une autre. Ensuite, Bébé Dragon s'est enfui comme une petite sape. Cette espèce de sale fils de... Alors, suivre son cœur. Allez, on va faire ça. Est-ce qu'il y a des bons shields? Alors, on va prendre celui qui a le plus de capacité. Hop. Ouais, il y a plein de monde. C'est des mercenaires qui s'approchent de mon vaisseau. Je vais prendre mon envol et les pilonner du ciel. Du coup, ils arrivent au ralenti, c'est débile. Je suis un cérébral. Moi, je l'aime bien, ce type. Du coup, le mouvement de la caméra, il est ralenti, j'ai l'impression, là. Tiens. Mais pourquoi tu voles, toi? Encore un qui vole. Tiens, il y a encore quelqu'un? Ah oui. Tiens, j'avance. Faut quelqu'un pour te signer ça. Attends, mais du coup, faut que j'aille où là? Faut que je monte? C'est là que j'aille. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais sur le territoire de Poids Mort, lâcheur? Et de livraison. Tiens. Super, maintenant file-lui le colis. Tiens, le colis. Merci. Maintenant, bute-le. Quel secret! Génial! Tiens, voilà, maintenant, t'as plus qu'à coller les affiches un peu partout sur le vaisseau. Oh, du coup, ça vole de partout. Ça fait du bien de faire du mal, hein. Je meurs. Ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal. Il
dessous. Oh, mais il y en a un qui... D'accord. Utilise cette plateforme de saut comme porte d'entrée. T'as qu'à faire comme lui. Mourez. Oh, je sais pas viser, hein. Tiens. Ah, il y en a derrière. Tiens. C'est sportif, quand même. Oh, il y a encore du monde, là. Plus que quelques affiches. Rêve pas. Eh, je prends les dégâts. Tiens, meurs. Eh, mais il est à l'autre bout, lui. Un vrai talent pour crever. Hop. Oh, j'ai encore un point de compétence, attends. Alors... Je dis, hop. Alors, il y a quoi comme autre mission? Abandonné. Bah, c'est l'émission principale. On la fera la prochaine fois. Pour l'instant, on a bien avancé. On a bien découvert le jeu. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Pensez à liker, à partager et à vous abonner, bien évidemment. Ça m'aide vraiment énormément. Et vraiment, encore un gros merci pour les 100 abonnés. C'est déjà incroyable. Et donc, à très bientôt. Allez, ciao les amis.